Monsieur Bernard Lissis, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Non, mais je partage ce qui vient d'être dit par notre collègue des Républicains. D'ailleurs, nous avons des amendements de suppression aux articles pour les mêmes raisons. Je vois l'astuce argumentative qui consiste à dire « ce n'est pas obligatoire parce que vous n'êtes pas obligé d'aboutir ». N'empêche que c'est obligatoire, quoi. Et qu'effectivement, vous pouvez vous dire et faire encore une fois le pari qu'en obligeant les gens à faire cette procédure, soit de conciliation, soit de médiation, soit participative, qu'ils concluront et que du coup, ils n'iront pas devant le juge. Mais s'ils ne concluent pas, alors c'est une étape supplémentaire avant d'aller devant le juge. Et je pense que toutes ces méthodes ont beaucoup moins de force à partir du moment où elles sont contraintes. Et que c'est sur la base du volontariat des partis qu'on peut avancer justement le plus intelligemment avec ce genre de procédure de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Et par-dessus le marché, je pense que l'expression est plutôt adaptée, il n'y a qu'une seule voie gratuite, celle de la conciliation, pour laquelle vous n'avez pas voulu fixer des objectifs en nombre de conciliateurs. Donc vous renvoyez mécaniquement vers des solutions payantes et vous créez de facto un marché privé de la médiation et de la procédure participative. Monsieur Schellenberger, vous souhaitez réagir et nous passerons au vote. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, Madame la Ministre. C'est bien de prendre un élément pour expliquer qu'on n'a pas tout compris, que cet article-là, ce n'est pas lui qui vient introduire une privatisation du système judiciaire. Non, vous avez raison, ce n'est pas cet article-là. C'est tout le dispositif qui a été en place. Et dont cet article est l'illustration la plus visible. C'est le mécanisme qui tend à rendre la médiation obligatoire, puis à organiser l'émergence d'un marché de la médiation judiciaire. C'est ça que vous êtes en train de faire. On a la faiblesse de penser, évidemment, que c'est un secteur qui ne peut pas rester en l'État, on ne peut pas ne rien faire, on est d'accord. Mais on a aussi la faiblesse de croire que la justice, c'est un domaine régalien de l'État, qui doit revenir à l'État.